Hey, salut tout le monde, 16h31-13, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 16 de notre aventure suivie sur Minecraft, l'aventure modée Rudicube saison 2, j'espère que vous allez bien. Donc souvenez-vous, dans le dernier épisode, j'étais parti dans la nature pour chercher cette satanée maison du sucre, le monument que propose le mode plus d'aliments. Ce monument, si je le trouve, je dis alléluia parce que franchement, ça m'a posé des problèmes hier. Donc là, ce que je fais, c'est que je fais ma chambre. Voilà, tout simplement. Je fais ma chambre, tranquille. Comme ça permet de ramasser des blocs, d'en poser après. Donc je vais prendre ce bois et je vais faire tout ça comme ça. Comme ça. Hop, merde. Merde, je fais que fail. Hop, toi tu te casses. Casse-toi, toi tu te poses ici. Hop. Voilà, parfait. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ensuite. Ah, c'est parfait. En plus, on en a 25. C'est 5 fois 5. Donc c'est parfait. Hop, allez. Cassez-vous. Le soul sand. J'utilise la master pelle. Parfait. Hop. Hop, hop, hop. On pose comme ça un escalier. Voilà. Ensuite, je prends le. Ah ben, il y en a encore des planches ici. Donc, c'est parfait. C'est parfait. On va en avoir besoin de 75 par contre. Donc c'est pas difficile à recrafter, hein, vu tout le bois que j'ai. Hop. Hop, je creuse ça. C'est dommage que le soul sand on puisse pas le creuser à. Bah, attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Master Axe. Unbreaking. Est-ce que j'avais ramassé une efficiency? Voilà. Mais d'abord, je vais finir celle-là. La montre, elle me sert pas à grand-chose. Donc, je vais me servir de celle-là. Enfin, de celle-là. De finir celle-là d'abord. Puis ensuite, voilà. Utiliser celle-là. Comme ça ira beaucoup plus vite. Hop. Merde, j'ai fail encore une fois. Hop, toi tu te casses. Voilà. Ensuite, je prends la moitié. Ça pourrait faire deux stacks. Non, un stack, ça fait ça. Hop. On a encore le truc et le plafond à faire. Hop. Ne vous inquiétez pas, on aura bientôt fini. Hop, vu qu'on creuse à fond la caisse. Font les ballons, comme on dit. Hop. Merde. Bon, on peut très bien faire comme ça. Voilà. Puis je pense que je vais mettre des torches quand même parce que ça manque d'éclairage. J'avais fait des torches, je crois. Oui, des torches, elles sont là. Hop. On éclaire un peu partout. Hop, maintenant je creuse ce sand là. Et ensuite, mon ordi s'énerve un petit peu. Hop. Voilà. Et maintenant je place tout ça. Mais pourquoi tu veux pas placer? Mais pourquoi tu veux pas placer? Ah, mais quand même. Mais pourquoi il veut pas placer? C'est chiant ça. What is the bug? Bon, je vais placer comme ça, hein. C'est pas grave, j'ai creusé pour rien. Attendez. Comment perdre des planches à l'infini? Pourquoi on peut pas placer? C'est chiant ça. Hop. Hop.
On fout ça comme ça. Voilà. Et maintenant, je repose ça ici. Voilà. Donc, je crois qu'on va repartir loin, loin, loin. Alors, je posais quand même quelques trucs parce que là, ça commence un peu à. Ah, je vais poser ça, ça et ça et ça. Mes bottes en chainmail. Alors, pour toutes ces flèches là. Est-ce que j'en ai encore des flèches quand même? Ah mais oui, j'oubliais, elles sont dans mon carquois. Hop. C'est parfait ça. Allez, ben moi j'ai envie d'y aller, mais avant faut que je pose quand même quelques trucs. Donc ça je pose dans la bouffe, les os, le fil, la poudre d'os. L'iron hoe, je la mets dans les outils. La copper hoe aussi. Ça va là. Les seeds, ça va ici. La canne à sucre aussi, ça va là. Je garde de ça. Ça, faut le poser aussi. Le grape, je pose ici. J'ai pas envie de tout perdre. On sait jamais. Donc, Enchanted Book, je vais le mettre ici. Hop, je classe tout ça. Bon, c'est un peu bizarre mon classement, mais bon, c'est pas grave. C'est cool quand même. La gunpowder ici. La cobble, la cracked sand, j'ai encore la masse d'os, mais bon, c'est pas grave. Watch, glass bottle, ouais, ça peut se garder. Puis les blocs, ben, on va les mettre à la place des torches. Voilà, on a encore un arc à poser, des outils, on a. Je vais poser la watch. Je crois qu'il est midi vu que la watch. What? C'est quoi ces watch buggés là? Il me semblait que c'est midi ça, non? Attends. Attendez. C'est bizarre, hein? Ces watch, elles sont bizarres. Hein? Bref. Ben moi j'ai envie d'y aller. Hop, je prends l'appel. C'est, je crois que c'est le lever du soleil en fait. Ouais, c'est l'aube. C'est le lever du soleil. Ah, ça c'est un zombie cheated. Ah, il fout du feu. Il fout du feu. Il balance des potions de poison en plus. Merci pour le plastron au passage. Donc, vu que j'ai encore les coordonnées de la maison, on va s'éloigner le plus possible jusqu'à ce qu'on trouve un monument. Bon, au moins ça nous fera visiter la map. Mais pas de l'autre côté, parce que la dernière fois j'étais passé de l'autre côté. J'étais parti de l'autre côté. Donc je pense qu'on va partir de ce côté. Hop. Je crois qu'on va aller ici. Hop. Hop, hop. En escalade. J'ai toujours été bon en escalade. Alors. Oui, j'avais complètement zappé de manger. C'était complètement stupide de ma part. Alors, oh my god, léger lag. Alors, dans cette plaine, quand même, on doit trouver des trucs. Quand même, c'est fuck, c'est fucking. Quand même, j'ai pas généré le monde sans le mode, quand même.
Parce que Better Donjon, il y a bien des donjons, donc il y en a forcément autre part. Mais là, cependant, ça. Bon, on peut s'éloigner à fond comme on veut, hein, c'est pas grave. Le monde se charge. Charging Chunks. Alors, ici, il y a un truc. Ici, il y a une espèce de grotte bizarre. Regardez, la grotte, elle fait ça. Zzz, whoop. Hop. What are you doing here? Hop. What are you doing here? Qu'est-ce que vous faites ici, les zonzons? C'est pas ici que je vais trouver un monument du sucre. Hop. Est-ce que je monte comme un con comme ça? Ah oui, ça marche aussi. Alors on atterrit dans un autre biome. Un biome grande forêt. Forêt Firlog. Je crois que c'est pas la même forêt que j'ai à côté de chez moi. Oh, un marais. Un marais. Ah, j'aime bien les marais. En plus, il y a un village. Il y a un joli village. En plus, c'est des grands marais. Ça, c'est des super marais. J'adore ces marais, moi. Hop. Hop, on a une forge. Donc, je me dirige tout de suite. On va manger avant de découvrir la surprise. Hop. Avant de découvrir. Waouh. Mithril Legs. Obsidian et Copper Sword. Bon, pourquoi pas. Il n'y a jamais rien dans les fours. Toujours regarder, on ne sait jamais. Il y a encore des bibliothèques que j'aurais pu piquer si j'étais allé dans. Comme j'étais allé dans le village que je l'avais fait brûler, souvenez-vous. Ah ouais. Bon, ben, je sais pas si on trouvera un truc ici. J'adore ces marais, ces arbres, ils sont super grands. J'adore, c'est vraiment trop cool. Comment il s'appelle le biome? Green Swamplands, ok. Les marais verts. Bon, ben, on n'a pas encore trouvé de toute la canne à sucre qu'il y a, c'est juste pas possible. Et il pleut. Pourquoi quand je vais dans des marais, il se met à pleuvoir? Est-ce que vous savez? Moi, en tout cas, je ne sais pas. Là, il a l'air d'y avoir une espèce de forêt plutôt classique. Voyons comment s'appelle ce biome. Woodlands. Ah ok, ben c'est pas forest en fait, ça ressemble à la forest, mais c'est Woodlands en fait. Hop. Ah, enfin! Donc maintenant vous voyez ce que je veux dire, les bâtiments en sucre, vous voyez que là, c'est... Oh! Miam, 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 miam. Des bâtiments en sucre, Sugar Bricks. Hop. Et voilà, on a enfin trouvé le monument. Donc on s'est vraiment beaucoup éloigné. Chili con carne. Est-ce que je peux tout prendre? Grape, je peux prendre. Cooked truite. Fish soup. Bon, ça compte pas comme les trucs craftés. Donc, est-ce que je peux prendre. Non, je peux pas prendre de plus de trucs. Je pense que je vais jeter ça. Pour récupérer ça. J'aime la pizza. Coconut milk. Excusez-moi, j'ai été dérangé.
Donc ça peut arriver, ça m'arrive plutôt souvent, c'est pas grave. Alors j'étais dans le coffre. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas prendre ça. Je préfère le chili con carne que le cactus soup. Leaf pile. Hop, mithril leggings. Bon, je vais pas jeter ça quand même. Chicken pasta contre les blocs de sucre. Voilà. Puis je vais me recharger en melon aussi. Ça peut être sympa. Voilà, c'est parfait. C'est dommage qu'on puisse pas récupérer ces gâteaux. Bref, oh, j'ai aussi The Ravine. Bon, maintenant, objectif, revenir à la maison. Donc, j'étais en moins 41. Donc, c'est par là. 266. Donc, moins 41. 266. Hop, faut passer par là. Tiens, je vais récupérer cette canne à sucre au passage. Hop. Moins 41, 266. Hop, c'est par là. Voilà, on descend bien quand même. On rebrousse bien chemin. Hop, je sautille dans les prairies. Je suis totalement dézingué. Hop. J'aime courir dans les prés. J'aime. Pas vous? Alors, ben je crois qu'on est arrivé à destination, hein. C'est la montagne qui fait qu'on a. Enfin voilà quoi. Hop. Alors, ce serait bien qu'on fasse des élevages de poules. Parce que il me semble qu'on peut faire bouillir des œufs aussi. C'est quelque chose de bien, comme si on faisait des œufs au plat. Donc c'est fort bien. Ouais, je crois que c'est là. Oui. Hop. Je vais bouffer. J'ai bien rebroussé chemin. Le F3, c'est très efficace. Est-ce que j'avais posé un arbre ici? Non. On va couper un arbre aussi. Hop. De toute la canne à sucre qu'on prend, c'est absolument n'importe quoi. La quantité qu'on récupère, c'est pouf. Alors, hop. Parfait. Alors, donc on va poser toute cette bouffe là. Puis on va poser ben, les outils. Donc l'épée en copper, mithril leggings et ces deux silver chestplate plus ses bottes. Non, ça il faut le poser dans le coffre à armure. Hop. Et je suis pas totalement niveau 30, donc on va aussi s'occuper de l'enchantement de mon arc en onyx, voilà. Et j'espère que l'enchantement va être très rentable parce que. Parce que voilà. Et on va se faire le lit. Donc est-ce qu'on a de la laine? Laine. Est-ce qu'on a de la laine? J'ai pas l'impression. Bon, ben, je crois qu'on va se crafter la laine avec des fils. Hop. Hop, on va faire comme ça. Plus l'obsidienne, je peux la poser ici. Plus 3 blocs de bois, 1, 2, 3 cooked hake, je sais pas ce que c'est tous ces poissons. Hamsch sandwich, pizza, chili con carne. Hey, je parle bien espagnol. Cooked fish, fish soup et les glaces, melon ice cream. Je sais pas comment il faut faire les glaces, je crois qu'il faut le faire avec de la neige. Je crois que oui. On va aller farmer du mob. Voir si on peut pas ramasser un petit peu plus d'armure. Hop.
Toi, tu te casses ici. Ah là là, la pluie, qu'est-ce que c'est dérangeant. Alors, creeper, tu meurs. Oh, le rime que j'ai fait. Creeper, tu meurs. Squelette, tu pètes. Non, en fait, ça doit être puisque les creepers ils explosent. Quelle blague débile que j'ai envoyée, mais ah putain, n'importe quoi. Normalement, c'est les squelettes qui meurent et les creepers qui pètent. En fait, je sais pas si vous avez compris la vanne. Enfin bon, bref, j'ai toujours été connu pour les vannes de merde. Mes potes se reconnaîtront quand ils me l'ont dit. Hop, alors ça c'est un creeper. Ça c'est un creeper cheaté. Hop. What? Comme je l'ai envoyé valser. Weakness. Bon, il est pas très affaibli, hein. Voilà, je sais pas ce qu'il a droppé comme armure. Qu'est-ce qu'il a droppé comme objet? Bien. Protection 2, pas mal. Waouh, comment je l'ai envoyé valser. Ouais, j'avais oublié que mon épée elle était knockback aussi. J'avais pas l'impression d'avoir du knockback. Au final, si. On a beaucoup même. Deux niveaux de knockback. Hop. Creeper, tu viens. Hein? Hop. Toi, tu meurs. Parfait. Hop. Toi, tu meurs. Ouf. Il a failli m'exploser à la gueule. Hop. Bon, ce serait débile que l'arc en onyx finisse flame. Parce que ben, il est déjà flame de nature. Hop, hop. S'il était punch, oui, ce serait bien. Mais oula, ça c'est l'araignée. Ah non, ça c'est le squelette. Je pense que je peux me le faire à. Non, c'est la smite qu'il faut utiliser. Voilà. Tu m'as droppé une pelle enchantée Fortune 1 Unbreaking 2. Alors ça c'est encore un zonzon cheaté. What? Toi, tu vas m'énerver. Parfait. Je leur fais mal avec mon épée, c'est juste horrible pour eux. Les pauvres. CD, CD, CD. Ah, est-ce que tu m'offres un CD? Ah ben non. Bon, en fait, je l'ai one shot à la main. C'est très cheaté. Hop. Voilà. On n'a pas encore atteint le niveau 30, presque. Hop. Et voilà. J'ai entendu la petite musique qui fait du bien. Hop. Voilà, alors ce zombie, il n'y a pas un zombie cheaté, si ce zombie, l'autre zombie que j'ai vu là, il est cheaté. Wither, alchimiste, Ghastly, ou ça c'est pas bon, j'aime pas ça. Ah ben n'empêche, il a été très rapide pour nous offrir des trucs. Je crois qu'il nous a offert un plastron. Ce squelette aussi est. A l'air cheaté. Yoink, j'ai cru voir, hein, je ne suis peut-être pas fou. Hop. Je l'ai one shot avec mon épée. J'adore cette épée, elle est juste géniale. Comment ça se fait que c'est chargé ça? C'est bizarre. Alors, toi, tu vas me dropper ton épée, hein, n'est-ce pas? Si t'es gentil. Alors il a quoi? Il a Yoink. Ça. Ouf, j'aime pas du tout l'effet Wither moi. Parce que c'est un poison qui peut tuer, contrairement au poison classique. Hop. Merde. Ah oui, ça c'est pas bon aussi, c'est. Putain, il me.
Voilà. Plus un arc et une houe en diamant. Super. Ça sert absolument à quelque chose. Hop. Voilà. Toi, tu meurs. Est-ce que l'un d'entre vous est cheaté? Y a-t-il une araignée cheatée? Oui, Repulsion. J'aime bien les araignées Repulsion. Hop. Les zombies vous cassez. Hop. Voilà. Je sais pas ce qu'elle a droppé. Ah, il y en a encore une autre. D'accord. J'ai l'impression qu'elle m'a. Wow, c'est quoi toutes ces houes? What the fuck? C'est quoi toutes ces houes que j'ai reçues? Hop. Je récupère l'XP à donf. Toi, tu meurs. Hop. Mais toi, tu meurs pas. Je t'ai même one shot. Allez, on va rentrer à la maison, on va enchanter l'arc en onyx. Voyons si on trouve des. Des mobs cheated. Hop. Voilà, parfait. Y a-t-il une araignée cheatée? Ouais, la dernière fois que j'avais combattu une araignée cheatée, c'était quand elle était Wither et qu'elle m'avait fait sauter super haut, enfin bon. C'était cheaté. Voilà ce que fait les Infernal Mobs. J'adore ce mode. C'est trop. C'est vraiment sympa. Donc on va retourner à la maison et on va enchanter notre épée en notre arc en onyx pour cette fois-ci. Et voilà. D'abord, on va manger pour se régénérer. Regardez toute la vie qu'on a perdue. Oh là là. Hop, comme ça, on peut se régénérer pour un petit moment. Alors, où est l'arc en onyx? Il est là. Non, c'est pas l'arc en onyx, ça, c'est l'arc en mithril. Je veux l'arc en onyx. Alors, on va faire comme pour l'épée. Le 7ème 30 qu'on voit, on le prend. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 2, 1. Alors, notre arc est enchanté. On va voir dans quelques instants l'enchantement qui a été appliqué dessus. Power 3. Oh là là, ça fait très mal. Donc, j'ai envie de le tester, tiens. Ah, mais j'ai pas de flèche. Ah merde, en fait, je pense qu'il faut. Je pense qu'il faut sortir les flèches du. Mais qu'est-ce que je fous, moi? Faut sortir les flèches du. Du quiver, hein, je crois. Ouais. Hop. Oh purée, cet arc, il va être cheaté, je sens, c'est. Ya! Mais t'es même pas mort? Voilà, quand même. On va faire très mal au mob. On va faire très très mal au mob. Hop, toi, je te one shot. Ouais, même le Power 3 c'est super puissant. Et avec le. En plus du plus damage de l'Onyx, c'est. C'est juste cheaté. Il n'y a pas plus cheaté que ça. S'il était Power 5, ce serait encore plus cheaté, mais bon, ça suffit largement. Donc on va se laisser ici les amis. Donc on va aller ramasser notre melon. Et hop, on va terminer l'épisode ici. Hop, toi tu te casses. Voilà. Puis je pense pour que la salle pour que la ferme à melon soit plus optimisée, on va creuser ça. Parce que comme ça ils pourront aller des deux côtés. Ça sera plus sympa pour les melons. Voilà. Donc je pense que je vais replanter les carottes, mais ça sera pas pour tout de suite, hein, vu que j'ai pas des carottes. Et puis les patates aussi. Donc voilà, c'est très sympathique. Donc c'était l'épisode 16 de notre aventure suivie sur Minecraft.
Modé, Rudy Cube. Soyez au rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici là, moi je vous dis bye bye tout le monde. Allez, ciao ciao.